son deuxième expérience n'a fait avec une initiative hotline. Nous avons déjà une initiative et téléphone rouge côté citoyen, citoyenne qui connaît les nous. Ou qu'on a ici un problème de confiance, quand il y a des gens qui n'ont pas confiance dans l'institution gouvernementale. Alors, si vous avez une plainte pour porter sous corruption dans l'institution publique, parfois vous avez hésité avant de relayer l'ULCC et vous avez relayé nous, vous avez plainte là et nous déposer plainte là pour vous. Parce que parfois vous avez hésité pour bailler non parce qu'il y a des gens qui peuvent représailles. Et ils n'ont pas gain confiance, une certaine méfiance en Haïti vis-à-vis de l'institution publique. Yo. Et nous déposer déjà, depuis que le premier hotline ça a existé, depuis 2008, nous déposer déjà en pile plainte et dans le bureau ULCC, hein, que ils fait suivi hein, et que gain qui aboutit à des dossiers qui n'ont pas parquet. Deuxième expérience qu'on a fait avec hotline OIG USAID, hein, ou dit est-ce que nous cap vérifier si mounan son vraie plainte un vrai bagage un vrai acte de corruption que voulait reporter ou bien c'est ça pour un bagage fantaisiste ou bien question de livler et chercher un moyen pour les nuire en l'autre monde. En fait nous avons formulaire que nous remplit le nous recevoir appel yo formulaire là vraiment poser un pile question et gain des questions qui très aiguës, nous demander un pile détails. Nous pas cap dit à 100% que leur moun relé pour li porter plainte que son vraie plainte et que vraiment gon pratique de corruption, mais nous prend toute plainte que nous recevoir au sérieux. Véracité plainte là pral dépendre de enquête qui mène. Alors l'inspecteur yo aller sur le terrain pour y aller poser question, pour y aller enquêter, il a déterminé si oui ou non t'es gon acte de corruption qui fait vraiment. Et il a déterminé qui est-ce qui est coupable de acte de corruption ça et qui sanction qu'a fait contre eux. Ça nous connaît dans en tant que nous gagnons avec Office Inspecteur Général là, c'est que si il y a des pratiques de fraude et de corruption qui faites par des citoyens américains qui travaillent dans des projets de USAID ou des programmes ou des projets de USAID ou bien des programmes et des projets gouvernement qui financé par USAID, si c'est des Américains, ils pourraient répondre devant la loi aux États-Unis. Si c'est des Haïtiens, OIG a déposé dossier en un parquet pour que le parquet ait fait suivi. Mais d'une manière ou d'une autre, s'il y a suffisamment de preuves et qu'ils ont établi un dossier qui montrait effectivement que tu as un acte de corruption et que tu as un pile, ou qu'on est que tant que bah, il n'a pas jugé, tant que le pas jugé, on va dire oui, il y a culpabilité, mais au moins que yo établi que il y a suffisamment de preuves qui indiquaient que un tel ta coupable de corruption et bien l'a atterri dans le bureau parquet pour que parquet fait suivi.